Il est saint, c'est un empire, et il est germanique. Mais pourquoi personne n'a rétabli le Saint-Empire romain germanique? Vous ne vous êtes jamais posé la question? On est ici pour y répondre. Alors, le Saint-Empire romain germanique, si vous voulez, on va des fois raccourcir. On va l'appeler Serge, si ça vous va. Donc Serge pour Saint-Empire romain et germanique. S-E-R-G. Donc Serge est institué en 800 par Charlemagne et dissous en 1806 sous la pression des guerres napoléoniennes. Il est l'une des structures politiques les plus durables et complexes de l'histoire européenne. Il englobe une large partie de l'Europe centrale, fonctionne pendant plus de 1000 ans comme une confédération de territoires et de peuples distincts, unis par une conception chrétienne de l'autorité impériale. Pourtant, après sa dissolution, aucun effort sérieux n'a été entrepris pour le restaurer. Si des empires plus récents ont été restaurés ou réinventés, pourquoi le Serge n'a-t-il jamais été rétabli? On va analyser les raisons profondes, politiques, sociales et idéologiques qui ont empêché toute tentative de renaissance de cet empire après sa disparition. Ici, la question est simple. Quelles dynamiques politiques, idéologiques et sociales ont empêché le rétablissement du Serge après sa dissolution de 1806? Les hypothèses sont nombreuses, mais on va les clarifier au fil du temps. Donc, comme expliqué au début, les racines du Saint-Empire se trouvent en 800 par Charlemagne, où la couronne est remise par le pape Léon III en personne. Ce geste symbolise la restauration de l'Empire romain d'Occident, détruit 400 ans plus tôt, et place la nouvelle structure politique sous l'égide de l'Église catholique. Le Saint-Empire n'était pas seulement un ensemble territorial, mais une institution marquée par l'idéologie de la chrétienté universelle. Sa mission, donc c'est simple, protéger et diffuser la foi chrétienne à travers l'Europe et maintenir l'unité politique sous l'autorité d'un empereur couronné par le pape. Cette conception sacrée et universelle de l'Empire va s'accompagner d'une structure féodale. Contrairement aux monarchies plus centralisées comme celle de la France ou l'Angleterre, l'Empire, elle, est une multitude de seigneuries, de villes libres et d'états ecclésiastiques, chacun jouissant d'un degré important d'autonomie. L'empereur ne disposait que d'un pouvoir limité sur ses entités, surtout après la bulle d'or de 1356 qui formalisait l'élection de l'empereur par un collège de princes électeurs, renforçant l'indépendance de ces derniers. On le remarque très rapidement, et je le souligne souvent dans mes vidéos, mais on le voit, l'empire est marqué par sa fragmentation. C'est un puzzle allemand, avec des droits et des privilèges propres à certaines villes. Cette structure empêche l'empereur d'exercer un contrôle direct sur la majorité de ses vassaux. Le pouvoir impérial reposait ainsi plus sur la négociation et la diplomatie que la contrainte militaire et politique. Cette décentralisation persistante n'a fait que s'intensifier à mesure que le temps passait, rendant l'autorité de l'empereur de plus en plus symbolique. Un exemple frappant va être celui de la guerre de 30 ans, où l'empereur Ferdinand II, pourtant chef de l'empire, s'est trouvé impuissant à éviter un conflit dévastateur qui réduit l'autorité centrale et exacerbe les divisions religieuses et politiques au sein de l'empire. On le voit ici, c'est un déclin qui va prendre des décennies avant le déclin final, à savoir la chute de 1806. On en parle directement. Donc en 1806, après les victoires de Napoléon sur l'Autriche à Austerlitz, l'empereur François II, dernier empereur du Saint-Empire, abdique et dissout l'Empire. Cette décision n'a pas seulement été le résultat des pressions militaires de Napoléon, mais aussi d'un contrat d'obsolescence. L'Empire n'était plus que l'ombre d'elle-même. La Révolution avait introduit une nouvelle ère politique en Europe, marquée pour la fin des monarchies divines et le triomphe des idées républicaines et nationalistes. Ainsi, je peux vous montrer cette carte, il y avait déjà des républiques au sein du Saint-Empire romain germanique, bien avant que Napoléon arrive. Mais vous le voyez bien, les idées de Napoléon sont un cumul des idées qui étaient déjà existantes au sein de certaines villes et principautés de l'Empire. Donc l'abolition de l'Empire s'inscrit dans un nouveau mouvement plus large de réorganisation politique. Napoléon lui fonde la Confédération du Rhin de 1806 à 1813, regroupant les États allemands sous sa protection, un modèle beaucoup plus simple et efficace que l'ancien Saint-Empire. Mais Napoléon ne va pas durer toujours, et on va pouvoir rétablir le Saint-Empire romain germanique, non? Eh bien en 1814, ce n'est pas prévu. Ça fait partie du passé maintenant. Le congrès de Vienne confirme la fin définitive du Saint-Empire en choisissant de ne pas le rétablir. Donc le congrès de Vienne, pour rappel, réunit les grandes puissances du moment, l'Autriche, la Prusse, la Russie et la Grande-Bretagne, ainsi que la France de Talleyrand, qui redessinent les frontières et rétablissent l'ordre monarchique.
Mais ils ne vont pas restaurer le Saint-Empire, le Serge. À la place, ils vont fonder la Confédération Germanique, une entité beaucoup plus libre, composée de 39 États indépendants, sous la présidence nominale de l'Autriche. Alors pourquoi on ne rétablit pas le Serge, qui était pourtant assez imposant et assez important à l'époque ? Alors une des raisons qui empêche ce rétablissement va être la montée du nationalisme au 19e siècle. Ce nationalisme alimenté par les révolutions libérales de 48, donc 1848, proposait un nouveau modèle d'organisation politique fondé sur l'idée d'État-nation unifié où la souveraineté appartiendrait à un peuple homogène plutôt qu'à un ensemble d'entités disparates. En Allemagne, également, les idées nationalistes prennent de l'ampleur tout au long du siècle, avec la montée du mouvement pan-germanique, qui prône l'unification des États allemands sous une seule nation. Le Saint-Empire, par sa nature multinationale et multiconfessionnelle, est perçu comme une relique du passé inadaptée à l'idéal d'une Allemagne unifiée. Les révolutions de 1848, bien que réprimées, ont montré la profondeur de ce sentiment nationaliste en Allemagne et dans d'autres parties de l'Europe. On ne souhaite plus retourner à un système féodal ou à un système impérial dirigé par le Saint-Empire romain germanique. Il fait partie du passé. Il y a tout de même des partisans du rétablissement du Serge. Mais un événement déclencheur va enterrer toute perspective de restauration du Serge de l'Allemagne en 1871, sous la direction de la Prusse, avec les victoires de la Prusse sur la France. Otto von Bismarck va profiter des conflits interne de la Confédération germanique pour en sortir victorieuse et unifier les États allemands sous une monarchie constitutionnelle dominée par le roi de Prusse, qui devient Kaiser de l'Empire allemand. Pour ceux qui ne le savent pas, Bismarck est le Metternich de la fin du 19e siècle pour la Prusse. Il est le grand homme du 19e siècle qui va réunir la Prusse et qui va l'établir en tant que grande puissance européenne. Bismarck a soigneusement évité de recréer un système comparable à celui du Serge. L'Empire allemand de 1871 était un État centralisé, avec une direction politique clairement définie, beaucoup plus en ligne avec les idées modernes de l'époque. La solution prussienne a marqué un choix délibéré d'un État-nation moderne, au lieu de la complexité multinationale du Saint-Empire. Mais au-delà de ça, c'est tout le 19e siècle qui est influencé par l'idée des Lumières et des idées républicaines. Le 18e siècle avait vu naître le mouvement des Lumières, qui avait profondément modifié la conception du pouvoir politique en Europe. Les philosophes des Lumières tels que John Locke, Rousseau, Montesquieu, mais aussi Kant, ont remis en question la légitimité des monarchies absolues et des empires fondés sur le droit divin. Ils ont développé l'idée que la souveraineté ne venait pas de Dieu, mais du peuple, et que les dirigeants devaient être tenus responsables par les gouvernés. Ces idées ont eu un impact direct sur les événements révolutionnaires qui allaient suivre. La révolution de 89 et ses idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité ont ouvert une ère de changements politiques radicaux en Europe, en Allemagne inclus. L'ancien régime avec ses hiérarchies rigides et ses structures impériales ont été directement remises en cause. Le modèle républicain prônait la fin des privilèges héréditaires et la souveraineté du peuple, et s'est rapidement diffusé dans toute l'Europe. La révolution a montré qu'il était possible de renverser les monarchies et les empires millénaires au profit des régimes plus égalitaires et plus démocratiques. Pour un empire un petit peu vieux, récroquevillant, un empire du passé comme le Serge, qui était enraciné dans une conception médiévale du pouvoir dont l'empereur tirait la légitimité à la fois de Dieu et de l'Église, ces idées représentaient quelque chose du passé, des croyances qui n'avaient plus lieu d'être. En outre, l'idée d'un empire universel et chrétien se trouvait en décalage avec les nouvelles idéologies républicaines et nationales qui gagnaient du terrain. À la fin du XVIIIe siècle, comme expliqué, la grande gagnante est la Prusse. L'Autriche n'est plus aussi influente sur les anciens territoires du Saint-Empire romain germanique. La France, éternelle responsable des guerres napoléoniennes, va voir son influence en Allemagne se réduire à peau de chagrin, si on peut le dire ainsi. L'Autriche, qui était autrefois le centre du Saint-Empire, a vu son influence décliner au profit de la Prusse au cours du XIXe siècle. Également, cette dernière, qui avait formé la monarchie austro-hongroise en réponse aux pressions internes, était dans le déclin dû à des différences et des conflits de minorités ethniques. Plutôt que de s'engager dans une tentative de restauration du Saint-Empire, l'Autriche a opté pour la gestion de ses propres divisions internes et la consolidation de son empire multiethnique. Ce choix a définitivement marqué l'abandon du modèle impérial ancien au profit de nouvelles formes de gouvernance adaptées aux réalités de l'époque.
Par la suite, la Première Guerre mondiale va marquer la fin des derniers grands empires multiethniques européens, comme l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. Ces entités, qui avaient survécu tant bien que mal au XIXe siècle, ont finalement succombé aux pressions nationalistes et aux transformations géopolitiques du XXe siècle. La montée en puissance des États-nations, au détriment des empires multiethniques, a transformé la carte de l'Europe. Là, on le voit là, hein. À partir de l'émergence des États-nations, les transformations idéologiques et les réformes post-napoléoniennes vont rendre obsolète toute tentative de recréation d'un empire multiethnique et décentralisé, comme le Serge. L'absence de tentative sérieuse de rétablir le Serge après sa dissolution en 1806 s'explique par une combinaison de facteurs politiques, sociaux et idéologiques. Le Saint-Empire, avec sa structure décentralisée, multiethnique et multiconfessionnelle, ne correspondait plus aux réalités du XIXe siècle marquées par l'essor des nationalismes, du libéralisme et des idées républicaines. Le modèle impérial médiéval, basé sur la chrétienté universelle et l'autorité divine de l'empereur, ne pouvait pas s'adapter aux nouvelles dynamiques politiques et sociales de l'époque moderne, ce qui mènerait directement à sa disparition et reflète l'évolution vers un monde de plus en plus fragmenté en états-nations, où la souveraineté populaire et la centralisation du pouvoir devenaient des valeurs dominantes. Si l'Empire avait survécu à travers les âges, il s'est finalement éteint, laissant place à une Europe moderne, organisée autour de nouvelles idées de gouvernance et de pouvoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, si elle vous a plu, bah bien évidemment on like, on partage, on commente. N'attendez pas que je vous le demande pour le faire, mais je préfère le dire en supplément. N'hésitez pas également à me laisser un petit don sur Tipeee. Et moi de mon côté, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'espère vous revoir nombreux. Salut les amis.